Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir trouver des armes dans le mode de jeu d'Errant Fang de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors c'est très simple, vous avez plusieurs solutions. Première solution, c'est de trouver des petits coffres, comme je vais vous montrer. Voilà, c'est des petits coffres comme ça. Regardez en haut à gauche de mon écran sur ma carte, il y a un petit coffre affiché. Donc ça c'est une nouveauté, et en fait quand vous allez ouvrir ce coffre, il peut vous donner une arme. Bah logiquement, il m'en a toujours donné. Donc ça veut peut-être dire qu'ils en donnent à chaque fois. Mais c'est possible qu'ils n'en donnent pas à chaque fois. En tous les cas, j'ai jamais eu le cas qu'ils m'en donnaient pas. Donc là, hop, regardez, je récupère une arme. Et voilà. Donc si je vous présente ce tuto, c'est parce qu'en fait, vous ne pouvez plus acheter des armes au mur. Il n'y a plus d'achat au mur. Donc il faut... La seule façon de récupérer des armes, c'est de cette façon-là. Après, il y a une autre façon, qui est tout simplement la boîte mystère. Qui a un spawn fixe et qui restera tout le temps. Vous pouvez la faire en illimité, donc c'est celle-ci. Et cette arme pourra vous donner des armes spéciales, bien entendu. Toutes les armes du jeu, etc. Donc ça, c'est la meilleure façon d'obtenir des armes, mais c'est payant. Et il reste une dernière façon, c'est de tuer ce gros balèze. Donc le Stormkrieger, en fait, peut vous faire tomber une arme. Donc il peut ne pas vous faire tomber une arme. Hein. Mais là, regardez, il m'a fait tomber un pistolet. C'est possible qu'il vous en fasse pas tomber, mais c'est possible qu'il vous donne une arme aussi. Bien entendu, vous êtes limité à 2 armes maximum. Hein. Ah oui, et il reste encore une dernière solution pour obtenir des armes. C'est les cristaux, comme vous voyez ici. Donc je n'ai pas encore obtenu d'armes en détruisant des cristaux. Mais c'est sûr, c'est obligé qu'on peut obtenir des armes. Parce que dans Call of Duty Cold War, on pouvait obtenir des armes quand on cassait des cristaux. Et là, je pense que c'est à peu près la même chose. Mais bien évidemment, c'est super, super rare d'en obtenir. Il faut vraiment avoir de la chance. Mais je pense que c'est toujours possible et faisable. Alors, les petits cristaux, vous les voyez, hein, et en haut de la carte, en haut à gauche sur la carte, ils sont affichés par des cristaux. Alors, je vois que je viens de détruire le cristal. Et le cristal reste toujours affiché en haut de ma carte. Peut-être que si maintenant je fais un objectif, donc par exemple une récolte, et bien peut-être que le cristaux reviendra à son emplacement initial. Donc je vais essayer de partir pour voir si il réapparaît. Ouais, il réapparaît à chaque fois. Peut-être que c'est des emplacements fixes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Regardez, là il y a un autre cristal juste ici. Et là, ça m'a donné une seringue stimulant et des matériaux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace.